Moi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Sriban. En dessous de cette vidéo, tous abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de quelque chose de vraiment très important que beaucoup de personnes négligent. Il s'agit tout simplement de la danse des sorciers ou encore la danse du diable lui-même. Quoi? De quoi tu parles? La danse des sorciers ou encore la danse du diable? Sérieux? Est-ce que c'est réel? Mais bien sûr que oui! C'est réel. Ça existe. Voici l'histoire. Un jour, un homme a voulu se lancer dans l'industrie de la musique. Mais quand il a essayé, ça n'a pas eu de succès. Ça n'a pas marché. Après plusieurs essais, il a décidé d'essayer ce qu'il n'a pas encore essayé. C'est-à-dire quelque chose qui est contre nature. Il a décidé de faire appel au super pouvoir dans ses musiques ou dans son prochain album. Pour ce faire, il allait voir un homme mystique. Et cet homme mystique l'a connecté directement à un démon. Mais un démon des eaux. Il dit que ce démon-là, voici comment il a vu cette femme. Cette femme-là est apparue dans l'eau. Sinon, elle est sortie de l'eau. Vous pouvez voir à distance que cette femme était vraiment très belle. Elle est incroyablement belle. Et il n'y a aucune femme sur la terre qui peut se comparer à elle-même en beauté. Et c'est cette femme-là qui est sortie carrément de l'eau. Il pouvait voir la partie inférieure de cette femme qui était semblable à celui du poisson. Elle avait la queue de poisson. Mais ce qui lui a semblé étrange, c'est que quand elle est sortie de l'eau, elle avait des jambes comme une femme ordinaire, exactement comme vous et nous. Mais bien sûr que oui, c'est ce qu'il a vu. Et quand elle a rencontré cette femme, cette femme-là plus tard l'a amenée dans son monde. C'est-à-dire, lui et la femme, ils sont entrés dans l'eau. Et c'est là-bas qu'il a découvert le monde à cette femme. Et c'est en ce moment-là que cette femme s'est mise à lui parler et à se présenter à lui en lui disant qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, et lui disait qu'elle sait qui l'a envoyé là et elle sait pourquoi elle est là. Elle lui a dit en plus, comme tu peux le voir, moi je suis une très belle femme. Je vais te poser une seule condition. Je te dis directement, si tu veux avoir du succès, si tu veux réussir vraiment, il faut faire un pacte avec moi. Et marie-toi avec moi. Est-ce que tu comprends? Tu te marieras avec moi. Je serai la seule femme de ta vie. Aucune femme sur la terre ne pourra être ta femme. Aucune femme. Et si tu te maries avec moi, tu verras ce que je pourrais faire pour toi. Je vais te donner beaucoup d'argent. Et le succès que tu recherches dans la musique, je vais te le donner. Je vais te donner le succès que tu recherches là. Et lui, du coup,
Comme il a vu ça, il était impressionné. Et cet homme-là souffrait beaucoup. Il était assoiffé de succès. Voici une belle opportunité qui s'est présentée à lui. Mais que va-t-il faire? Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Il lui a dit, moi franchement, j'ai connu beaucoup d'échecs. Mais si je vous ai rencontré aujourd'hui, c'est pas un hasard. Je suis prêt à respecter tout ce que vous me demandez de faire. Faisons-le. Oh! Il a accepté le pacte avec cette sirène-là. C'est la même chose avec ce qu'on appelle le pacte avec le diable. Mais bien sûr que oui. C'est la même chose. Du coup, elle lui a demandé de l'embrasser. À ce moment-là, ils ont eu leur premier rapport sexuel. Et elle a oint par une huile qui est sortie carrément de sa partie génitale, de la partie génitale à cette femme sirène. Après, elle lui a craché dessus. Et elle s'est mise à lui nettoyer le corps. Elle l'a bien nettoyé au point où il était méconnaissable. Lui, naturellement, n'était pas quelqu'un d'attirant. Il n'était pas beau, il n'était pas élégant. Mais quand il a fait ce pacte avec cette femme, elle lui a craché dessus. Elle l'a lavé en un mot. Waouh! Elle l'a lavé. Il n'était plus la même personne. Il était devenu une nouvelle créature. Je vous parle de quelque chose. Ce que la parole dit, ce que Dieu nous dit par rapport à naître de nouveau ou encore devenir une nouvelle créature, même chez eux là-bas, ça se passe ainsi. On te change de nom, on te donne un autre nom. Elle lui a donné un autre nom. Dans le monde des ténèbres, un autre nom. Et il a commencé à avoir du succès maintenant dans ce monde physique-là. Ça veut dire que chaque nuit, il va voir sa femme dans l'autre monde, dans le monde spirituel. Et physiquement, il chante ici et il a du succès. Oui. Et c'est ce qui s'est passé avec lui. Maintenant, ce qui va se connecter à ce que nous avons dit à l'introduction là, c'est au niveau de ses musiques, l'origine de ses musiques et de ses danses. À un moment donné, cet homme-là devait faire sortir un album et il souhaitait que son album-là ait beaucoup de succès, ça cartonne. C'est à ce moment-là qu'il allait voir cette sirène et cette sirène-là lui a dit, comme tu peux constater, j'ai aussi des dons à la matière, je peux t'aider dans ton prochain album. Mais voici ce que tu vas faire. Tu vas aller au cimetière. Non. Tu iras à la morgue. Tu iras à la morgue. Et tu vas coucher avec une femme qui est décédée. Une femme morte. J'étais étonné même. Tu vas coucher avec elle. Quand tu as fini de coucher avec elle, tu vas enlever ses ongles et une de ses dents. Et nous allons faire un rituel. Après ça, tu viendras me voir. Je vais te composer des chansons. Et je vais te dire, je vais te donner l'habillement que tes danseurs, que ton orchestre doit porter. Aussi, je vais te dire, je vais te montrer comment danser, comment tu vas faire pour effectuer les pas de danse. Comment tu vas danser. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là, il a signé un pacte avec le diable, en un mot. Et c'est le diable maintenant qui se prépare à lui donner les danses qu'il va prendre pour danser et même communiquer cette danse des sorciers là ou encore les danses du diable à toutes les personnes qui se trouvent sur la terre ici. En effet, c'est ça. Ah! Quand il se lève le matin, il chante avec nous. Mais quand il va s'endormir,
Il fait une sortie astrale, il se rend chez elle pour aller prendre de nouvelles chansons, des tubes, de nouvelles danses pour venir nous donner ici dans ce monde. C'est-à-dire que lui, il est en deux mondes. Il panache. C'est-à-dire, il est entre le monde du diable ou le monde de la sirène. Et ce monde-là, donc il va prendre des choses, des démons. Ce que la parole de Dieu nous a, la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu appelle les œuvres des démons-là. Lui, il va carrément les chercher dans le monde de Satan et il les envoie carrément dans ce monde-là. Et c'est une œuvre musicale. Et des pas de danse qui les accompagnent. Même les habillements. Oui, les malades de s'habiller. Et cet homme-là, c'est une star. Il ne suffit pas que vous nous disiez le nom, vous saurez de qui il s'agit. C'est une personne connue, célèbre. Il a tellement de succès. S'il fait un concert dans un pays, là, on peut même déclarer ce jour-là, jour férié dans le pays. Tellement c'est un personnage important. Même les hommes politiques vont le voir pour qu'ils puissent tout simplement toucher les jeunes par une musique qui va faire sortir afin qu'ils puissent tout simplement le voter. Voter, c'est un politique, allez le voir. Vous voyez, comprenez de quoi il s'agit. Comment nous avons découvert ce témoignage? Ce témoignage existe déjà sur Nyon Scribon. Jetez un coup d'œil, vous allez voir. On parle de témoignages puissants. Et ça existe, celle-là. Ça, c'est tout sur Nyon Scribon. Cherchez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des danses, quand on danse dans ce monde, qui sont des danses qui ne viennent pas de ce monde. Ça vient directement du monde du diable. Ça vient directement du monde de Satan. Oui, c'est la vérité. C'est un film directement du monde du diable. Et nous, on se met à les danser. Et on se dit que c'est la joie. On se dit que c'est le show. C'est pour s'amuser. C'est pas pour s'amuser. Et comment tu vas faire pour savoir que ça vient du monde éternel? De toute la façon, que Dieu nous donne longue vie. Donne longue vie à ce que parle. Que Dieu vous donne longue vie. Aujourd'hui même, nous allons faire une vidéo extraordinaire. Nous allons vous montrer quelques images de ce genre de choses-là, pour que vous compreniez mieux. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner maintenant. Cliquez sur la cloche à côté de s'abonner. Activez-la. Et cliquez sur j'aime. Et préparez-vous à ce qui va venir. Quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Nous allons commencer la journée avec un témoignage puissant. Ne manquez pas cette vidéo. Et vous allez découvrir aussi que tout ce que nous sommes en train de vous dire, c'est la vérité. Et c'est pas toutes les danses qu'il faut danser. Toi, tu vois toutes les chansons, tu les chantes. Ah, ce sont des incantations. Quand tu te mets à chanter de ta chanson, voici la conséquence. Tu cèdes ton âme à Satan. Tu donnes involontairement, tu donnes involontairement ton âme au diable en chantant ne serait-ce que cette chanson. Et puis, en dansant là, tu adores Satan, c'est la même chose. Mais si ça vient des démons, tu penses que ça sera simple. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Il faut savoir ce que tu chantes, ce que tu entends, ce que tu danses. Parce qu'à cause des pas de danse seulement, tu risques d'aller à l'enfer. Hein? Tu risques de manquer le paradis. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là. Mes frères et sœurs, préparez-vous pour la prochaine vidéo. Hein? La prochaine live. Ça va être chaud aujourd'hui, si on se bon. Nous passons directement à une autre dimension. C'est parti. Que Dieu bénisse. Abonnez-vous.